Cette fouille, pardon, a livré les restes d'un village carolingien, autour de l'an 800 à peu près, avec une grande quantité de bâtiments qui sont très visibles. Donc, c'est quelque chose d'assez rare pour la période, hein, avec des cellules familiales qui sont isolées par des barrières et des fossés, et tout un tas de bâtiments qui servaient tant aux humains qu'aux animaux. C'est des azures, c'est les oiseaux qui font leur nid et qui, bon, après éjection des oiseaux, ça peut être une lame de plancher qui est déclouée, ça peut être un portillon qui est désolidarisé de la terrasse, c'est une marche qui peut être bancale, c'est une ampoule grillée, voilà, il y a plein de choses à vérifier.